Hello, ce matin on a reçu notre commande HelloFresh, donc ça fait à peu près un mois avec Nico, on a décidé de faire le test. Là c'est notre quatrième box, donc nous on a fait le choix de prendre 4 repas par semaine, donc comme vous le voyez vous recevez un colis avec 4 petits paniers repas. Vous avez, là nous on avait un petit cadeau, vous avez les recettes qui sont à part sur voilà, des petites feuilles, vous avez les ingrédients et la recette au dos. Et puis vous avez 4 petits paniers avec vos ingrédients pour chaque recette que vous pouvez ranger directement au frigo. Enfin, attention de ne pas avoir un frigo trop rempli parce que ça peut être compliqué de trouver de la place parfois. Et du coup, ouais, dans cette box, comme c'était notre quatrième, on avait un petit cadeau, cette tablette de chocolat que j'ai pris un petit moment pour goûter. Et franchement, très bon, super cadeau, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai sur HelloFresh en fin de vidéo pour vous donner notre avis. Aujourd'hui, je suis très heureuse de rejoindre Héloïse de Lou & Company pour bruncher. C'est une créatrice que j'admire énormément. Et on s'est retrouvés pour le brunch chez Baba Cantine. Si vous êtes à Toulouse et que ne vous connaissez pas encore, c'est vraiment une adresse coup de cœur. Les saveurs sont phénoménales. On a vraiment passé un bon moment parce qu'on a pu discuter à la fois de créativité, mais aussi d'influence, de la vie en général. Et c'était hyper enrichissant. C'est vraiment une très belle personne. Et je vous laisse repérer les petits détails style tellement élégants. Cette broche Chanel sur ce pull amande, c'est un vrai coup de cœur aussi pour moi. Une créatrice à la fois lifestyle, travel, enfin ce qu'elle fait, c'est de très bon goût. Et si vous la connaissez pas et que vous êtes de Toulouse, à suivre absolument. Et l'après-midi, j'ai rejoint ma sœur Place Saint-Étienne. On s'est posé pour un café au Silène. Le Silène, c'est vraiment ce café avec l'ambiance très authentique, avec cette nostalgie un peu du café typique à la française. Donc on a profité de la terrasse très ensoleillée pour un mois d'octobre pour discuter parce que ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Alors, je décide de faire un unboxing face caméra pour changer. J'ai reçu ma Bogissime et ça, c'est vraiment mon petit cadeau tous les mois. C'est le truc. En fait, souvent, j'oublie qu'elle va arriver et quand je vois le colis, du coup, ça me fait trop plaisir. C'est comme un cadeau que j'avais oublié, que je m'étais fait. Donc, ça, c'est le design. C'est mignon. Elle est très mignonne. J'aime bien le format. C'est pas toujours un format aussi haut. Je fais l'ouverture, vous allez voir avant moi ce qu'il y a dedans. Ah ben là, vous avez sûrement un papier. Mood d'automne, je suis très dans un mood d'automne. Ça, c'est cool. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! 40 euros offerts sur The Braderie. Alors là, autant vous dire que Blissim, vous avez parlé à mon cœur. Il y a une vente maison et Stella et Suzy sur The Braderie qui a commencé hier. Je lorgnais plein de trucs. Oh ça, c'est les produits de ce mois-ci, bien dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Après, shampoing sublimateur. Hop, 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 hop. Protéines naturelles de kératine et huile d'argan, hydrate, répare, lisse. Bon, bah écoutez, ça, j'ai envie de vous dire, on n'en a jamais trop dans la salle de bain, surtout les petits formats. Alors, moi, sur les après-shampoings comme ça, ce que j'adore, c'est un, ça me permet de tester des produits que je ne connais pas, mais sur les formats de shampoing et tout, et d'après-shampoing, c'est vraiment super pratique quand je voyage. Donc, il y a ceux que j'utilise tout de suite parce que j'ai envie de tester, et il y a ceux que je me garde pour mettre dans ma petite trousse de toilette quand je suis pas chez moi. Et c'est trop pratique. Hop, la rosée. Je vous montre le packaging, mais j'ai même pas lu ce que c'est. Donc, voilà. Deuxième produit, crème main ultra réparatrice. Alors, j'avais plus de crème main. Et je pense que c'est très important. Je me souviens à l'époque, quand je travaillais en prêt-à-porter, en caisse chez Naf Naf. J'avais une dame qui avait des super belles mains. Pourtant, elle avait un certain âge, mais elle avait vraiment des très très jolies mains, très bien entretenues. Et je lui avais fait ce compliment, je lui ai dit, vous avez vraiment des belles mains. Et elle m'avait dit, attention, elle m'avait dit, attention, c'est ce qui vieillit le plus vite. Ça vieillit très très vite les mains. Et du coup, elle a raison, il faut vraiment prendre soin. Donc, j'essaye d'être vachement plus disciplinée sur les crèmes pour les mains. Ensuite, hop, un petit produit Avène.
Sérum concentré hydratant. Et bon, la marque Avène, généralement, bon, c'est quand même bien parce que c'est vraiment un petit sérum comme ça. Donc, généralement, c'est le genre de produit que j'aime bien parce qu'ils sont très concentrés et très efficaces. En plus, bon, là, c'est écrit dessus, hein, sérum concentré hydratant. Donc, ouais, hâte de tester. Surtout pour là. C'est vraiment genre la partie de mon visage qui a du mal à s'hydrater, où je fais vite des rides et tout. Donc, parfait. En parlant du dessous des yeux, ça, c'est. Ça, je sais pas si c'est super, parce que la seule fois où j'en ai eu, c'était pas des comme ça, c'est des trucs juste qui se mettaient au congélateur et je voyais vraiment pas l'intérêt et c'était vraiment pas pratique et ça tenait pas. Donc ça, j'ai hâte de tester parce que j'ai vraiment tout le temps des poches sous les yeux, des cernes. Bah là, de toute façon, vous le voyez, hein, tout le temps, c'est l'endroit de mon visage où, qui est le plus vite marqué. Celui-là, il a la vitamine E et au thé vert. Et franchement, je pense même que je vais les tester ce soir parce que demain matin, j'ai une réunion en visio avec mes nouveaux clients et ça me permettra d'avoir une tête bien fraîche. Alors ça, autant vous dire que celui-là, je ne suis pas convaincue du tout. Voilà. Cette marque, merci Andy, là, j'ai jamais trop kiffé. Et là, c'est un gloss. En plus, c'est un gloss pailleté. Alors ça, vraiment, c'est pas ma came. Je suis peut-être trop milléniale, mais gloss pailleté, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Alors oui, ça arrive que dans des box Blissim, j'ai des produits qui soient pas exactement à mon goût. Proportionnellement, avec tout ce que je reçois ou qui me convient super bien ou qui me permet de découvrir un produit que j'aurais jamais testé par moi-même et en fait que j'adore, ça vaut largement le coup. Et pour les produits comme celui-là que je vais certainement pas utiliser, ben je les donne ou je les offre. Des fois, quand je fais un petit colis vintage, je les mets en cadeau ou je les donne à quelqu'un dans mon entourage qui, je sais, va les apprécier. C'est tout, je recycle et ça fait un petit cadeau sympa. Dans tous les cas, moi, j'y trouve mon compte avec le reste, donc c'est pas grave. Et enfin, dernier produit, le soin repulpant Bonne Mine 8. Eugens. J'ai envie de dire Eugens. Je vais dire Eugens. C'est pas ça, sûrement, que ça se dit, mais voilà. C'est pas... Hydratation éclat, toute carnation. Plump and glow gel cream. Bon, un gel crème hydratant. Pareil, c'est quelque chose que quand même j'utilise assez régulièrement. Donc, c'est un peu tout autour de la même thématique, cette box. C'est vraiment beaucoup d'hydratants. Beaucoup d'hydratants. Bon, il y a quand même un produit pour les cheveux. Donc ça, je pense que c'est le produit que j'ai le plus hâte d'essayer. Le reste, on va dire que c'est des bons basiques. C'est des bons basiques, mais il ne faut pas croire. Des fois, je trouve des crèmes et des hydratants incroyables grâce à ces basiques-là. Donc, voilà. Et ça, c'est sûrement le premier truc que je vais tester. Je vais le tester ce soir. J'essaierai de filmer ça. Même si je ne sais pas si j'assume totalement mon visage sans maquillage aujourd'hui parce que c'est le premier jour de mon cycle et j'aime pas ma tête. J'ai chaud. Mais ça tout de suite, je vais sur The Braderie et je vais écrire à mon ami qui est sur The Braderie aussi. Voilà. Écoutez, bah, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si vous avez vous aussi un abonnement Blissim et que vous avez eu des produits différents, je serais curieuse de savoir ce que vous avez eu. Et si vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Et puis, on se retrouve plus tard dans la journée. Du coup, j'attaque le dîner assez tôt, puisque petite chose à savoir, là je vais faire une recette HelloFresh. Et pour la plupart des recettes, ce sont des recettes que vous faites entièrement maison, ou quasiment. Donc prévoyez bien de démarrer 45 minutes, une heure avant de manger, parce que oui, ça prend un certain temps. Là, je fais une recette qui était une moussaka VG, je vous la mets à l'écran. C'est une recette qui a pris pas mal de temps et qui me faisait très envie. Spoiler alerte, en toute transparence, c'est pas du tout ma préférée des recettes HelloFresh qu'on a pu goûter. Plus généralement, pour vous faire un retour sur notre expérience avec HelloFresh après un mois d'utilisation, la première chose que je vous dirais, c'est que je pense que ça dépend de votre situation et de comment vous aimez manger, de si vous aimez cuisiner ou non, de votre degré d'inspiration, du temps que vous avez, etc.
La première chose à savoir, c'est qu'au niveau recettes, oui, il y a de la variété, vous trouverez forcément votre bonheur. Et on va dire que 90% des recettes qu'on a apprises nous ont vraiment plu en termes de goût. Deuxième point, c'est les portions. Là encore, ça va dépendre de notre situation. Donc nous, on est deux, moi et Nico. Il faut savoir que Nico fait quasiment 2 mètres et il a une composition plutôt sportive. Donc il a besoin de repas conséquents et de beaucoup de calories. Et en fait, au niveau des portions qui sont prévues pour deux, on était parfois un peu limité pour Nico. Il reste un petit peu sur sa faim. Et si moi, je réduisais ma portion pour lui donner, bah, c'était moi qui mangeais rien. Donc, c'est top si par contre, vous voulez avoir un repas équilibré et faire attention. Ça, par contre, c'est nickel parce que vous avez vraiment des portions étudiées pour ne pas être trop conséquentes. Par contre, si vous avez besoin de beaucoup manger, ça risque d'être un petit peu insuffisant. Ensuite, au niveau du prix, il faut savoir que donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai absolument pas eu de produit offert. En revanche, j'ai profité d'une réduction, mais qui est accessible à tous, et je vous mets un lien dans la description si jamais vous voulez tester, qui nous a fait avoir des réductions pendant quasiment un mois sur notre offre HelloFresh, ce qui fait que financièrement on s'y retrouvait. Au niveau de l'inflation et des courses alimentaires, on était presque à 150 euros de courses par semaine pour deux personnes. Alors effectivement, on peut s'en sortir pour moins. Nous, on aime bien se faire plaisir, on aime profiter au niveau des repas. Et moi, je déteste faire le compromis de la qualité sur ce que je mange. C'est une priorité. Ceux qui me connaissent le sauront. Donc c'était un bon compromis et financièrement on s'y retrouvait avec les réductions. Je vous donne un exemple, la première box nous avait coûté moins de 30 euros pour 4 repas pour 2 personnes. Et ça nous a notamment évité le fait d'avoir ces repas tout prêts dans le frigo qu'on avait déjà, qui était déjà prévu, de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on allait faire comme course, qu'est-ce qu'on allait faire à manger. Les trois quarts du temps, on n'avait pas cette conversation. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais on n'avait pas ce temps de... Qu'est-ce qu'on mange? Et j'ai pas d'idée. Et oh, la flemme, on commande. La plupart du temps, j'amenais les petites cartes de recettes à Nico et je lui disais qu'est-ce que tu veux? Et on choisissait notre repas comme ça. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que ben, si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner ou si vous aimez pas trop cuisiner, c'est assez guidé pour vous tenter des nouvelles choses. Donc si vous êtes quelqu'un qui est curieux d'apprendre à cuisiner, de cuisiner plus de recettes maison, c'est une très bonne option pour vous, je pense. Encore une fois, de manière globale, je vous dirais que ça vaut le coup avec les réductions et ça dépend de votre situation. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est si vous êtes curieux, ça vaut le coup de tester tant que vous êtes sur des phases de réduction et vous voyez comment ça vous convient. Nous, en toute transparence, on l'a fait à peu près un mois et demi et là, on a suspendu notre abonnement. Donc, autre point à savoir, vous pouvez suspendre votre abonnement à n'importe quel moment. Vous pouvez demander à ce qu'une semaine soit suspendue, vous n'avez pas de livraison, etc. Donc, il y a une grosse flexibilité. Par contre, attention, il faudra vous abonner pour pouvoir voir les recettes. Donc, faites bien attention de ne pas vous être abonné sans faire exprès. La plateforme, à mon sens, mériterait d'être un tout petit peu plus claire sur le sujet. Pour vous détailler le process sur la plateforme, en gros, comment ça se passe, vous vous abonnez en ligne. Ensuite, vous avez accès à un espace avec les recettes et vous avez la sélection de recettes par semaine qui est disponible. Donc en gros, vous allez choisir vos recettes chaque semaine. Attention, vous avez des deadlines, sinon vous allez recevoir une sélection de recettes que vous n'aurez pas choisie, qui sera sélectionnée aléatoirement par HelloFresh. Donc pensez bien à personnaliser vos recettes chaque semaine en amont et vous pouvez même le faire sur 2-3 semaines d'avance. Attention aux deadlines, dans tous les cas, vous recevrez un mail d'HelloFresh, mais pas tout le temps. Enfin, moi, je sais que je pouvais le rater, donc ce que je faisais, c'est que je sélectionnais 2-3 semaines à l'avance déjà mes repas pour être sûr d'avoir quelque chose qui me plaise. Mon conseil, c'est si vous êtes curieux, tentez-le. Nous, au bout d'un mois et demi, on a finalement décidé de suspendre parce que pour plusieurs raisons, au niveau des portions, c'était compliqué. On avait souvent le problème avec Nico qui restait sur sa faim. Au niveau financier, on n'avait plus de réduction et ça faisait plus trop de sens. Dernier point aussi, c'est que vous le savez, moi j'adore cuisiner et j'ai beaucoup de recettes que je fais moi, des recettes à moi, et parfois j'étais un petit peu déçue par la qualité des recettes proposées par rapport à ce que je peux faire d'habitude, ou des fois je trouvais que c'était un peu inutilement complexe pour le résultat que j'avais en termes de saveur, et en gros, moi je l'aurais fait différemment.
En revanche, au niveau des recettes, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous a donné plein d'idées et que vous pouvez garder les recettes et éventuellement les refaire plus tard. Après, vous avez comme ça la liste d'ingrédients, donc la liste de courses que vous devez faire. Voilà, vous avez besoin d'un oignon, etc. Donc, très pratique pour reproduire des recettes coup de cœur que vous avez pu expérimenter. Pour revenir sur la recette du jour, donc la moussaka végétarienne, j'ai bientôt fini. Donc là, je profite toujours des temps de cuisson pour faire un coup propre. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, c'est un impératif, sinon vous allez vous retrouver vite débordé. Donc dès que vous avez un temps off que vous devez laisser reposer ou cuire, vous en profitez pour faire un bon coup de propre partout et remettre à zéro votre plan de travail. Sinon vous allez vite vous sentir dépassé et avoir une tonne de vaisselle à faire. Si jamais vous faites cette recette, ne faites pas la même erreur que moi où j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'applications à essayer de reproduire le visuel de la recette en étant très très appliquée, notamment sur le montage des aubergines, etc. Alors qu'en fait au final au service ça fait juste une plâtrée dans l'assiette. Donc c'était pas beau, c'était quand même bon, mais je pense pas que le rapport goût et temps de préparation était au rendez-vous pour cette recette. Voilà, ça aurait pu être fait en tout aussi bon, voire en meilleur, sans passer autant de temps en cuisine et sans faire autant d'efforts. On me demande souvent comment je fais pour me lever à 5h30, 6h du matin, tous les matins. Il n'y a pas de secret, hein, je me couche tôt, j'essaye en tout cas de me coucher le plus tôt possible et surtout d'arrêter les écrans le plus tôt possible. Alors, c'est pas parfait, j'arrive pas à faire ça tous les soirs, il y a des fois où j'ai envie de regarder un film, une série, mais je trouve qu'un bon moyen pour réussir à couper les écrans en amont du sommeil, c'est de lire un livre. Encore faut-il trouver un livre qui vous passionne suffisamment pour que ce soit un plaisir et pas une forme d'obligation ou quelque chose de trop studieux. Et du coup, j'ai été très en retard sur la tendance, mais j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Et honnêtement, c'est pas du tout un livre que je trouve parfait, mais c'est un thriller, ça se lit facilement et je l'ai lu en une semaine, ce qui est très rapide pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir partagé cette journée avec moi et je vous dis à très vite.